Je dis, hey, monsieur, je dis quand ton mari. On a prêté dans la même position ça pour moi, capable de faire lecture. Ce n'est pas une lecture qui est longue, c'est un seul verset. Et c'est le verset de l'année que je me disais que vous mettez dans le calendrier, dans le calepin, souligné verset ça. C'est le verset de l'année pour vous et c'est le verset de la semaine que nous allons prêcher pendant toute semaine là, sur verset ça. C'est Hébreux chapitre 11, verset 40. Hébreux chapitre 11, le verset 40. Il dit, Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Bamoun Bokoto la lamè dit, bon Dieu, gen pi bon bagay pour Anéa. Bon Dieu, gen en plan le pi bon bagay pour année 2500. Que bon Dieu bénisse vous, ou mette chita. Adieu. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous, on dit bon Dieu merci pour l'occasion que le bon nous, pour nous capables avec vous pendant semaine ça, de dimanche à dimanche. Et nous espérons que bon Dieu capable de servir à semaine ça, pour lui capable de prouver et montrer que bon Dieu qu'on serait bon bagaille pour petite lui. Ça, verset avlé de là, c'est que bon bâton que l'on va chercher, bon Dieu, il y a plus bon bagaille que ça. Si bâton que l'on va chercher, mon apport souhait, santé, petite, mariage, travail, bon Dieu, il y a plus bon bagaille pour que ça. Bon Dieu, parle là. Bon Dieu, il y a un plan lui. Il y a en vue quelque chose de meilleur pour vous. Et même si vous t'assemblez, ouais, bon Dieu, retirons un bagage dans mes mains. Peut-être un bagage précieux, un bagage important, mais dites tout. Pour l'année 2005, ça, je vais quitter ce bagage, ça, à contrarié, parce que je connais, bon Dieu, qui est plus bon bagage. Si le cas fait ça, si mon Dieu a fait ça, c'est que le grand plus bon bagage pour moi-même. Et c'est bon bagaille ça que nous avons découvert. Secret pour joindre bon bagaille ça dans mes bon Dieu pendant la semaine ça. Donc nous remercions Pasteur Atouris qui était bon nous invitation encore. Et nous remercions donc les membres du comité de l'église donc, qui acceptaient, excusez, présence nous ici hein, pendant la semaine ça. Mais comme souvent moi dit, l'aime en semaine ou bien quelques jours de prédication dans l'église. Si vous voulez bénir, c'est pour prier pour moi. Parce que c'est bon Dieu qui a bon pour moi. Donc, si vous ne pas prier et si vous n'avez pas béni, pas mettre blâme sur moi. Pas dire c'est moi qui n'ai pas fait travail, c'est vous qui n'avez pas fait travail. Parce que c'est pour prier, vous béni. Combien de monde qui t'a aimé béni là? Amen. Amen. Donc, responsabilité, c'est pour prier pour moi. Mon grippe qui m'arrive depuis quelques jours. Donc, et m'a lutté avec lui, mais m'a demandé une faveur. Si pendant ma prêche, moi toussé ou m'a pas dit excuse, parce que m'a tellement toussé vite, en pile. Donc, m'a gagné temps pour chaque fois pour me dire excuse. Donc, m'a donné une seule excuse pour toute semaine. Non? Donc, m'a pas bénéficié ça. Pour ne pas avoir pas besoin d'interrompre mais ça là tout le temps pour m'a dit excuse c'est pas et m'a dit bon savoir que m'a gagné mais c'est m'endormi en gros m'endo excuse là en gros parce que on est ça à privé donc de temps en temps donc comme ça ça va permettre que nous capables servir vous dans le sens que nous capables et bien à ce moment-là dans le cadre thème général pour ce maintenant et que m'a aimé qu'aucun pile excusez alors par défaut donc m'a demandé pardon quelquefois mais parce que le vin sans moi mais quand même on va prendre tout en vrai donc pour nous capables m'a dit setup ce maintenant
Asroya m'a contenté pour capable partager avec vous-même quelques bonnes nouvelles de la caille et également faire une projection sur l'année 2005 d'après Jean comprendre suivant révélation bon Dieu bon moi dans méditation parole et suivant dans étude biblique Jean comprendre et interpréter parole bon Dieu dans dernier jour ça yo m'a montré que 2005 là bon Dieu gagne en vue pour même quelque chose de meilleur non seulement pour lui dit pour nous mais pour la nation haïtienne que bon Dieu doit nous ça pour l'année 2005 pendant toute année 2004 là c'est une année terrible yo année garçon pas campé yon année côté grand pile moun tombé en Haïti en pile moun victime en Haïti moi k'ap parlo la 19 novembre yo pran yo entre non ragbois avèm depuis 11h du soir jusqu'à 2h du matin deux hommes armés ap bataille pou touye m mais bon Dieu pa te permettre yo pa capable mais seulement nan bois ak yo armé ma déplan même yo pran sou route et dadi via l'air en sortant Port-au-Prince Bralokay rivé sous pont d'arrêt côté semaine sortant de yo pran trois police yon commissaire police yon agent 3 yon agent 2 yo rentré avec même côté a yo touyer tous les trois et yon pas sauvé mais bon Dieu pa m'nan il permet que m'entrer et me sorti. Amen. Ah, m'rivé au dimbo. Ah, qui l'est souillé. M'dit monsieur pasteur Chaval. Oh, c'est qu'on a voyé chapelette en pile. Dans radio parlant. Eh ben asseoir au fini. Quand on sorti, m'dit me saute pas au prince. Quand on parle, m'bral au caï, dit non, dit ou t'es pral au caï. Dit mon cher, ça c'est langage pas ou langage pas, me saute pas au prince, m'bral au caï. Bon bon Dieu qui dit eh bien il y a avec moi dans départ, il y a même dans l'arrivée. Il dit, alors on va le comme ça. Alors on va le comme ça. Il dit, est-ce qu'on gagne 10 000 dollars US? Il dit, si c'est pour 10 000 dollars US, nous ne pouvons pas perdre du temps. On fait ça, on va faire. Si on n'a pas besoin de perdre du temps, moi-même, je n'ai pas besoin de perdre du temps. Parce que moi, je prends, comme on dit, depuis sur route là, prends machine là. C'est au conduit, entrer dans le bois, arriver en bas, on raconte. La nuit là, yo campé, yo dit me descendre avec mon autre chauffeur, il a mêlé yo prend machine là, un gros garçon, yo marré deux bras lui-même, mettez le long poteau et puis débat commencé pour tout. Et puis parlant en pile, on me rend histoire coûte parce que nous on fait depuis 11h du soir jusqu'à 2h du matin. Mais avec yo à argumenter, à parler etc. Et là on d'accord, yo fini entendre yo pour touyer. Et puis yo dit bon, on a touyer nous toutes et n'a met du feu dans machine. On dit mon cher, sou t'a fait ça ou nous saute. Excusez m'expression, d'a trouvé que nous égaré en pile. Pour me d'gain bon machine ça ou fin touyer ou touyer frère Fénol qui est avec moi. Pas gen pièce l'autre monde encore et pour gen bon Toyota ça à la main pour aller mettre du feu là-dedans. Or tu as besoin de 10 000 dollars que m'ta pas ba machine ça vaut environ 30 000 dollars US. Donc kembe machine non vend ni la joine l'argent d'ap chercher nous pas perdre du temps touyer monsieur et si nous touyer monsieur c'est service nous rend nous pas faire rien et pour sortir sans rien ou perd du machine. Yon a dit, mais nek sa, bon nek quiconque. Si le cabon nous conseille ça, dans l'est ça, dans la situation ça, mon cher, on pas volant, moi, à soi. Et nek sa, n'a pas tout, il me dit, mon cher, c'est nous deux qui sommes portés, c'est nous deux poils au caille. Ou bien, ou tuer nous tous deux, ou bien, on va nous tous deux chanter. J'ai dit, mon cher, ça parle en main, c'est nous qui avons fort cadeau la vie, ou pas capable. Pour nous, dit mon cher, les glaces avaient lié,
Bon, ça me bral dit madame, ça me bral dit femme, plutôt c'est bon, on t'a trouillé. Ou pas, monsieur Chancelan, parce que je suis pas capable de supporter ça, donc, si vous voulez, etc. Finalement, monsieur dit, pasteur, si nous la go, on va pas le faire radoter sur radio. Je dis, monsieur, ça est le radoter. Monsieur dit, radoter, je dis, non, monsieur, donc on va y témoignage. Donc, je vais promettre nous que je vais pas y témoignage, parce que. Les bons dieux font un bagaille pour le monde. Parce que pour moi, je vais témoigner, je fais ça, je vais mettre témoignage, je vais négocier ça avec nous. Finalement, l'autre là dit, commandant me tire, commandant dit autant. Discussion pour nous, discussion, discussion. Finalement, je dis, monsieur, mais c'est au commandant. Depuis que nos machines dans nous prennent, nous entendons monsieur après le commandant. Ça veut dire que c'est au commandant, c'est au dernier mois. Ça va dire à deal. Ou pas, je vais aller dans le même, ou à perdre du temps, peut-être sur la route là, on t'a entendu, il y a une autre machine qui a l'argent. Donc, au lieu de perdre du temps, on fait perdre du temps. On nous dit dernier mois. Le commandant dit, mais pasteur, montez la machine là. On dit, eh monsieur, je dis quand on marie des bras, je dis, mais la gueule là. On dit, la gueule. Monsieur, l'autre n'est pas dit, on dit la gueule. Je suis fâché. Donc, je fais monter, je dis, fais non, monter, je finis de la gueule, je monte. Et puis, je dis, ben, quitte au endroit. Et puis, je monte. Nous prenons aller. Parce que j'ai quitté la route là, 5 km. Comme ça. Et puis, l'en arrivé dans mi-temps, rivière. Je campé. Je me dis, mais qui problème où y a? À part camper, ça gagne. Parce qu'on service, pas demandé. Qui service? L'en arrivé sur la route là, est-ce qu'on a déposé mon tapion? Je ne suis pas fatigué, auto voulait m'amener en sous-compte moi. L'autre n'est qui était plus fâché. Il dit non mon cher, si vous avez plagué pasteur, c'est juste au cas où il parlait, il finit à quitter pasteur, le faire outli, n'a joué n'importe vacabon faire déposer. Elle est arrivée sur route là. Bousse moi t'es dans même monsieur Longel. J'ai dit pasteur, on va gagner l'argent. Je me dis, bon, si bousse moi t'es dans même. J'ai dit, mais $100 ça va mettre dans bousse. Pour faire route là, où est aller, bon Dieu, on l'a mené, on l'a carré. Seul service pour nous, prier pour nous. Prier pour nous parce que c'est la vie à faire, la mené. Il a fait ça, il a fait ça. Donc, sous prier pour nous, nous connaît parce qu'on l'a fait témoigner et tout. Et ça, Jésus a fait. Depuis là, ça me remarque que bon Dieu, bon pis, bon bagaille pour moi. Il est qu'à mourir. Il a tué pasteur déjà, il a tué chrétien, tout bagaille. Même dit, bon Dieu, sous qui t'aime vivre, c'est qu'on a un pis, bon bagaille encore. Ou bon pi bon ministère, ou pi bon plan, ou pi bon mission. Et tu restes ça au bon dans la vie, qu'au bon moment, reste là pour vous. Pour mettre fait sauver avec. Frère Maxime, bon Dieu fait tout bagaille pour yon pi. Ligue plan, l'icône pour qui ça quitte n'importe ça arrivé. Situation capable difficile. Ou capable de trouver dans situation difficile. Mais bon Dieu, il y a un plus bon plan. Excusez. Non, 16 novembre. 16, 17, 18, 19 novembre, 17 novembre. Bon Dieu fait un bagage extraordinaire en Haïti. Nous planifions par rapport à ça, bon Dieu fait et ça, bon Dieu vient pour le faire. Yon journée de prière au 18 novembre. Donc on blanc au missionnaire qui travaille ensemble avec nous, l'établit du côté de Saint-Marc, il est le terrisno. Il travaille avec Youf, il fait mission. Il vient côté, il dit pasteur Chavan m'a prendre tout ça crivé. Moi t'a remet participer. L'activité prière, ça a quoi mettre sous pied. Est-ce qu'on permet pour me publier sur Internet? Je ne dis pas qu'il y a un problème. Il publie prière là sur Internet.
c'est retenir nous voir nos réponses de un blanc en Israël, un blanc juif qui dit la vienne participer dans la prière parce que bon Dieu te met sous cœur ou vienne prier pour Haïti. Et la vienne avec 17 nations. Le 17 novembre, 17 nations débarquées en Haïti. Des gens juifs, des Libanais, des Égyptiens, des Norvégiens, des Allemands, des Français, Suisse, Belgique, la Hollande, l'Afrique du Sud, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique, la Jamaïque, Saint-Domingue, la Barbade et Venezuela. 17 nations rentrées en Haïti pour venir bénir Haïti. Nous apprendre que Haïti est en bon malédiction depuis 200 années et on vient pour bénir Haïti. Nous avons organisé un gros festival de prière dans le gymnasium, dans la rue Vincent. Et juif là particulièrement, qui était à la tête délégation, il fait qu'on est depuis 20 ans. Bon Dieu a demandé pour le venir bénir Haïti. Il dit qu'il y a trois bagailles que je voulais dire. C'est que premier bagaille là, c'est un remerciement que je voulais faire au peuple haïtien. De ce que dans l'année 1948, lorsque j'étais doué reconnaître Israël comme État-nation, les Nations Unies étaient réunies et plusieurs membres des Nations Unies étaient là. Pour Israël, t'es qu'à devenir nation, il manquait un grain de voix. Pendant qu'il a fait dépouillement, il a vu que Israël n'a pas passé. Pendant qu'il a pris le résultat, grain délégué haïtien te gantant à la toilette. Elle tournait, c'était ambassadeur Émile Saint-Lô à l'époque. Elle tournait, il dit, je ne vais pas voter. Il dit, il vient voter, elle votait pour les juifs. Donc il dit, c'est haïtien qui permet Israël une nation. Et bon Dieu dit, n'importe quel monde qui bénit Israël, c'est pour bénir. Donc Haïti pas qu'à en bas malédiction ça depuis 200 ans. Donc il est venu pour le bénir et il est venu avec frère Léo 17 nations pour venir bénir Haïti. Il dit bon Dieu tu vois il fait travail ça au Brésil. Le Brésil t'a monté en masse suifé. Brésil t'es nation qui était la plus endettée du monde, elle t'a fait faillite. Bon Dieu t'a dépêché au Brésil, il bénit le Brésil. Et voilà, il dit même Vinjo Dia, c'est le Brésil qui commande dans le ministère, toute nation, vous voyez, vient diriger Haïti. C'est le Brésil qui lide. Donc ça veut dire, bon Dieu t'a répondu à la bénédiction que le Brésil, là, et le Brésil commençait à valer terrain dans le domaine développement, etc. Il fait ça pour Venezuela. Il te fait ça pour la Hollande et bon Dieu t'a accompagné dans tâche ça. Deuxième remarque, Liffel dit que les besoins fait Haïti ont reproche. Dans les années 1960, du temps du premier ministre Golda Meir, t'a commandé en Israël. Peuple Israël, gouvernement israélien, te voulait récompenser Haïti. Est-ce que Haïti te voté pour yo? Yo te capable de une nation ça, m'gayon yo dia. Une nation ça. Et yo te d'accord, yo voyons une délégation en Haïti, vin négocier avec gouvernement haïtien. Et ça, vous avez parlé pour Haïti, c'est pour vous développer un réseau de commerce avec Haïti, pour vous être capable de bénir Haïti en plaçant des commerçants juifs dans les grandes villes du pays.
pour développer le pays à tout point de vue. Mais malheureusement, le ministère de l'Intérieur d'alors, avec tout l'autre ministre qui t'a négocié avec lui, il a refus. Il a dit qu'il a gagné Libanais, il a gagné Arabe, il a gagné Syrien. Il n'a pas le mettre des lettres avec citron ensemble. Et il a rejeté le plan par Israël. Et il a dit à qui côté Syrien là, Guénon? Qui côté Arabe? J'ai dit, je ne rien contre toi puisque c'est chrétien. Mieux même venir avec un Libanais tout. Et le connaît, ça m'a dit, pas qu'on côté Libanais à le faire commerce, ou c'est pas peuple qui a un bénéfice. Dans le côté Syrien à le travail, ou c'est pas pays au vrai. Mais dis mon nation, côté juif implanté, ou à faire commerce, il y a ceci pour nation, ça n'a pas béni tout en même temps. Troisième remarque là, je dis bon, depuis 1817, Haïti a recevoir missionnaire l'autre bord de l'eau. Allemand vini, français vini, américain vini, jamaïcain vini, canadien, français. Et je dis à Haïti vini un pays qui a plus l'évangile, nos 42%. Mais pour qui ça nous pas voulu voir missionner tout? Pendant toutes 187 ans, on a recevoir, non pas bail, c'est que Haïti sont en mermotte. Il dit, c'est quelque effort, comme ça, accidentel, qu'on graine missionnaire. Mais il t'a aimé, ouais, que dans l'année 2005, pour monter, aller, Haïtien prend avion, pas bande et pas paquet, pas pour le travail câblant, ou bien elle prend humiliation, mais l'Église a voyé missionnaire à travers le monde. Parce que une nation qui voyait missionnaire, bon Dieu a béni nation ça. Et finalement, ils promettent que très bientôt, nous allons recruter parmi les 17 nations près d'un million de jeunes pour entrer en Haïti, pour planter pieds bois dans toute tête monde en Haïti. Et c'est pour la participation d'Israël dans la reconstruction d'Haïti. Est-ce qu'on est content pour ça? Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Deuxième bagage, je voulais dire à Soya, dans le mois de décembre, non, 5 ou 12 décembre, nous avons organisé une série d'activités en Haïti. Nous prêchons, nous organisons 16 croisades en même temps, même jour pour jour, du 5 au 7 décembre, à travers le pays. Nous organisons 16 croisades dans 16 grandes villes du pays. Nous avons gagné une croisade au Cap-Haïtien, dans Tabernacle, côté pasteur ecclésiastier, avec près de 10 000 personnes par soirée. Donc, nous avons des chrétiens qui sont à West Palm Beach avec pasteur Mathieu Jean-Baptiste, qui était venu participer dans Croisade et qui était financé Croisade Cap-Haïtien, qui était fait jonction avec Nord-Ouest, Nord-Est, Fort Liberté. Nous avons Croisade Port de Paix avec Jacksonville, qui était venu. Nous avons une croisade dans Gonaïve, deux croisades dans la seule ville de Gonaïve là. Une dans battant porte nord et une dans battant porte sud. Parce que mon Gonaïve dit, plus que jamais, Gonaïve besoin de Jésus. Après ça, t'es arrivé. Nous dit, on besoin de Jésus. Donc deux gros croisades pétées en même temps dans Gonaïve. Nous avons une grosse croisade de Saint-Marc. Nous avons une grosse croisade de Croix-des-Bouquets. Nous avons une grosse croisade de la plaine, Cabaret et Arcaillé. Une grosse croisade de la Gonave. Une croisade de Petit Gouave. Une croisade de Mirbalet dans le plateau central. Une croisade dans Jacmel. Une croisade dans Ansavo. Une croisade dans Okaï. Une croisade dans Beaumont. Une croisade dans Jérémy.
et on croisade dans Port-au-Prince. Donc nous envahis le pays. Il y a un seul thème. Thème noté dit choisis bon Dieu Haïti ou non carrefour décision. Choisis bon Dieu ou bien choisis Baka. Après 200 ans, faut faire un choix. Selon Josué 24:15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien Dieu, que les ancêtres ont servi. Ou du moins bon Dieu. Alors on te dit bon Dieu, soit bon Dieu ou bien Baka. C'est message ça que tu as clair on est dans tout le pays. Et nous avons fini avec une grosse croisade Port-au-Prince qui prend dans mercredi soir pour finir dimanche soir 8 pour 12. Croisade ça a été fait 3 jours dans le stade Silvio 14 et 2 jours devant Palais National. Même thème, même sujet. Et dans jeudi matin, près de 500 à 600 chrétiens nous étions dans le Palais National de 9h du matin pour 1h de l'après-midi en dans la salle des bus Palais National avec le même message là devant tout chef yo, pour nous faire reconnaître que c'est Jésus seul qui est capable de sauver Haïti. Nous étions prêts que la parole ça n'a pas prêté pour grand Messie mais a bouleversé. Dans le temps de toute croisade ça a donc plus que 2000 conversions. Mais ça te réjouit comme plus dimanche 12 au soir, parmi 200 et quelques convertis, 47 zingrins d'eau étaient là-dedans. Ils ont témoigné, les gens ont touillé dans le Belin, les gens ont touillé dans le Cafoufeuille, les gens ont touillé dans le Sans-Fil. Et on dit, ils ont venu choisir Jésus plutôt. Après, on a prié pour ces zingrins d'eau, puisque quand on a fait un travail parmi les zingrins d'eau, nous avons planifié une réunion pour moi, Cité Soleil, avec l'autre. Zinglin Doussa, avec un bois neuf. Donc, ni dans Bel Air, côté Moun, pas qu'à rentrer. Nous prenons des réunions systématiques avec tout gang. Pour nous porter bib pour nous. Nous avons eu l'occasion de joindre l'argent de plusieurs côtés, dont ici à Tébano. Nous avons eu tout, nous avons eu 13 000 dollars US dans le monde. Et nous avons acheté 6 000 Bibles. Nous avons quitté 883 Bibles dans le Palais National. Nous avons pour chaque monde qui travaille dans le Palais National. Nous avons eu la police aux Bibles net. Et nous avons quitté Bibles pour primature. Et nous avons continué dans chaque côté croisade. Nous avons envoyé Bibles pour les gens qui ont converti. C'est tout bureau en Haïti, Téléco, EDEA. Donc, aéroport, comme dit, côte Bipan. Il y a demandé Bib. Donc, nous espérons couvrir Haïti avec Bib. Zinglin doit venir prendre Bib. Gros bagaille. Donc, nous croyons que bon Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour Haïti. Finalement, m'a fermé à soya. Mais m'a fermé sur une projection que nous faisons et nous croyons que le biblique. Dans Exode chapitre 20, verset 5, parole bon Dieu dit nous, moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et comme ils sont bon Dieu jaloux, ils ne admettent aucun autre Dieu en face. Ils ne admettent aucun rival. En face moi. Et si un pays fait ça, un monde fait ça, ou avec avem. Il dit me prête pour me punir jusqu'à troisième et même quatrième génération. Là on fait ça. Eh bien on connaît Haïti dressé en pile bon Dieu devant face mon Dieu. Longtemps indien ou t'es sous territoire, ou t'es qu'on adorait soleil, la lune, les étoiles, de l'eau, monde, tout roche. Etc. Africains ont venu, ils ont adoré tout. C'est animisme pour la plupart, vaudouisant pour la plupart. Ils ont adoré des dieux et ont dressé des dieux en face, bon Dieu. Et le 14 août, notre vignoué 1791, cérémonie Bois Caïman. En passant, jeudi qui était mardi qui était 7 décembre passé, nous avons un groupe dans Bois Caïman.
pas gain bois caïman encore, pied bois sèche rapide tête. Après prière nous te fait 14 août 2003 feuille yo te séché kounia même chou la là. Bon Dieu chassé. Donc comme ça cérémonie ça a été faite. Nous bois sans cochon. Et on dit c'est sans cochon à libérer nous. Mais nous-mêmes nous connaissons seul sang qu'on libère, c'est le sang de Jésus. Le 1er janvier 1804, Haïtien a célébré l'indépendance. Ils ont nommé des Salines, eh bien, le fondateur de la patrie, et ils ont nommé Boukman, prêtre ça, le père spirituel de la nation. Ça, c'est un bagage abomination. Et bon Dieu dit, le puni bagay ça jusqu'à 4e génération. Le 8 décembre 1947 encore, sous gouvernement et l'ILESCO, ils organisent une cérémonie dans le palais national côté gain plus que 200 000 personnes. Et ils ont consacré Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou bien la Vieille Marie, et dans l'angai vaudou, la Vieille Altagrâce, ou bien Erzuli. Bagay sa yo, yo mette Haïti dans sal trouvé le jour et le. Mais bon Dieu te dit, m'a puni nous jusqu'à 4e génération. Vous connaissez ça, ça veut dire? À travers la Bible a parlé de génération. C'est une période de 50 ans. Ça veut dire, une génération égale 50 ans. Donc s'il dit jusqu'à 4e génération, ça fait combien? 200 ans, 31 décembre 2004, 4e génération en fini. Et comme mon Dieu t'a dit, il a puni nous jusqu'à 4e génération, depuis 31 décembre 2004, nous avons organisé dans toute l'église en Haïti un gros service de délivrance pour nous dire contrat fini. Dette la paix. Et comme mon Dieu nous en sommes, mon Dieu fidèle, l'aile dit une parole, l'obligé Kembel. Il dit dans 2 Timothée 2:13, si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Jour mon Dieu, ta vie infidèle, lui suspend mon Dieu. Puisque ça bouche, il te dit, c'est jusqu'à 4e génération, nous sommes la 5e génération. Donc Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour cette 5e génération. D'être la paix, élevé et net aller. Nous levons en 1er janvier 2005 ça, avec une autre génération. Ou pas 4e non encore, ou t'es à cheval sous 4e. Si moun kap fait yo, yo pap nan paye d'être encore. D'être ça, ma palo là. Donc ça veut dire, cette génération est la génération de l'église. C'est l'église qui pour camper à la brèche, pour nous péter réveil dans tout le pays d'Haïti. Pour mon Dieu décroquer bénédiction que depuis 4 générations, il était kembé, il va te caban nous, parce que nous t'ai fait ça que pas ça. Et il t'ai doué kembé par lui parce qu'il t'ai dit c'est jusqu'à 4e génération. Il va te faire l'avant. Il est obligé qu'il me vole les mêmes gens tout. 4e génération finie. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et c'est pas sans raison nous aboutissons sur 2005. Nous avons fait un calcul, moi-même, par défaut professionnel en tant qu'ingénieur. 2005, si on prend 2 plus 0 plus 0 plus 5, combien ça fait? 7. Ça chiffre 7, vous l'avez dit. Perfection. Regardez verset, nous te lis encore dans Hébreux 11:40. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour vous, afin qu'il ne parvienne pas sans vous à la perfection. Soyez pour bon Dieu, attendons pour la perfection. Oh bon Dieu, c'est perfection même lié. Pour bon Dieu, oubliez de nous pendant 4 générations. Il voulait faire l'église une génération qui parle réellement pour la responsabilité pour lui intercéder en faveur d'action, pour le plaider avec bon Dieu et pour bon Dieu mettre dans réserve
quelque chose de meilleur pour nous. Si vous faites 2 moins 5, ça mort. Voilà, ça trois vous l'avez dit. Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'orgueil bloque ça avec vous. Si Dieu est pour nous. Songez, Pasteur Rosa m'a baptisé en dame pendant le lendemain. Pasteur Rosa m'a dit, qui te pose quelques questions? Il m'a dit, combien mon Dieu qu'un? Dame n'a dit un seul. Mais combien de personnes y a? Il dit 3 personnes, ou qu'à citer au moins. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Excusez, Pasteur Rosa m'a dit, mais dans 3 ça, qui est-ce qui pique grand là-dedans? Dame n'a dit, Pasteur, ça m'a cherché dans ça. Moun yo bloc yo, quitte yo bloc yo non. Ça me besoin de patia yo. Bah ça trop pour moi, va moi pour de patia yo. Yo bloc. Elle va dire au bon pour baptiser à ville pour. Sou gen bloc ça. Avèl, si Haïti gen bloc ça avèl. Ou met taille banda au nom. Quitte me dire. Si bloc là avait ou mettre fait crédit sous lit. Mon Dieu fidèle. Amen. Il va tromper nous. Amen. Et même si on t'a fait 2 fois 5, il bon 10 1 et 0 1. Ça 1 on veut dire. Dieu, on seul mon Dieu qui pour gagner dans pays. Amen. Donc 2005 là, c'est l'année de la 5e génération. Bon Dieu par sa fidélité, nous sommes chantés grand en fidélité. Par sa fidélité, le tenu à libérer Haïti. Est-ce qu'on croit ça à soi? Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ces versets à Déa, que nous passons, côté nous passons en Haïti, bon Dieu, bon bagaille. Ou à soi, on va terminer pour nous. Pas battre tête. Pas battre tête, tracas. Des petits bagages qui ont passé devant ou pensé c'était pour y aller. Des biens qui ont été réellement accrochés à eux. Bon Dieu, prends eux. On n'a pas besoin de peur. Bon Dieu, bon pis, bon bagage pour eux. On est dans le chant, nous chanter qui dit comptez les bienfaits de Dieu. Un verset me remet en pile. Si tu perds dans le voyage, plus de chair. Et tout trésor, avait dit madame, petite, Marie, Kai, travail, toute qualité bagaille ou perdue. Que t'es cher pour vous-même. Et donc pense au divin héritage qui là-haut reste encore. Quand tu perds tout, Dieu reste encore. Amen. Pas quitter battant clan la vie, ça dérober la joie. Amen. Amen. Pas vendre la joie pour petit kai, petit job, petit travail, petit mariage, petit ménage, petit boyfriend, petit girlfriend qui a passé calé. Ramasser caractère. Du sim perdu, bon Dieu, bon pi, bon bagaille. Pas mon papa pour la langue, dit pas ma corps. Bon Dieu, bon pi, bon bagaille pour nous. Le bon Dieu bénit à ce frère.